www.casarema.fr. La Bible dit, Bible est le ne rendez pas le mal pour le mal. Bonjour, Isamabe, Nassima Mabe. Insulte pour insulte. C'est vos fingers, Nassima Kofinga. Au contraire, punissez. Kasi, bon pambola. Car c'est à cela que vous avez été appelé. Kaka, pointe, et dana yangonde, bo bengamaki. Je parle des héritiers de la bénédiction. D'accord, Valentina, y a ma kita, y oya, ni pamboli. Après la mort d'Abraham. Nasima eliwa Abraham. La Bible commence à nous parler de son fils Isaac. Biblia kwenye kolombo la dito na tina ya mwana Isaac. Lui-même qui était fils cette alliance. Yemo kwa kani mwana ya boloka nyandai. Fils cette alliance. Mwana ya boloka nyandai. La Bible dit ceci. Biblia le Bible. Quelques temps après. Il habita dans le pays de Guéra. Il y eut une famine. Et la famine, la faim, pendant ce temps-là, elle était tragique. La faim pendant ce temps-là. Il y eut une famine dans le pays. Je pense qu'il a fini l'exode. Les gens qui se déplaçaient par groupe. Il y avait la sécheresse. Il n'y avait pas de pluie. Il y avait une forte famine. Et les gens étaient en train de voyager. Écoute, Yoka. Ne quitte pas ce pays. Kolomboka ote. Reste dans ce pays. Badaka namboka. Je te bénirai ici. Nakopa koloka ka awa. Je te rendrai prospère. Nakofulkisa oka ka awa. Je te multiplierai ici. Nakofulkisa awa. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Kembo le pain ko. Nous serons dit à Dieu. Kembo le reste à Gera. Animé ta bonne à Gera. Mes frères, ses soeurs. Dans les combats civils. Pendant son séjour, pendant la alors que se fixait la famille, la Bible dit, Isaac s'aima dans le pays. Isaac a connu la Katamboka. Isaac s'aima dans le pays. Isaac est allé colon la Katamboka. Et la Bible dit, jusqu'à devenir fort riche. Parce que Dieu
Donc la bénédiction d'Abraham, elle opérait, elle travaillait dans Isaac. Vous savez que
causé que lui trouve de l'eau. Et après là qu'il était en train de creuser. Faisait pression sur l'alliance pour qu'il conquête contre le c'est l'alliance. Pourquoi? Parce que l'alliance, elle opérait en lui, elle travaillait en lui. Peu importe les lieux où il se retrouve. Peu importe l'endroit qu'il se retrouve. N'est-ce pas merveilleux? Amen, amen. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Alléluia. Je dis à quelqu'un, merci beaucoup. Ne fuis pas le Congo. Je veux dire quoi? Je veux dire une chose. Que il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Lorsque nous regardons la vie d'Isaac,
Je suis convaincu. Il n'y a pas de limite à ce que la bénédiction peut faire dans la vie de tous ceux qui croient. À tous ceux qui croient. Quelques temps après, après Isaac s'appelle tout de Jacob. Jacob était le petit-fils d'Abraham. Fils d'Isaac. Moi, là, Isaac. La Bible déclare que lui aussi, à cause de la bénédiction, les frères, bien-aimés, quitter la maison de son père. Il est parti sans aucune propriété. Et la Bible déclare traverser les Jourdains. Avec seulement un bâton. Et là où il était parti. Alléluia. Amen. Il n'avait rencontré un maître. Un maître, un grand être. Un grand aventurier. Là-bas son beau-père. Là-bas, on a et Jacob est venu chez là-bas. Jacob a été par là-bas. Même chez là-bas. Attends par là-bas. Mes frères. Jacob prospérait. Jacob avec au fuluka. Jacob était béni. Avec au pambola ma. La Bible dit que Dieu bénit Jacob. Bibili le bête nzambe a pambola ki Jacob. Alléluia. Amen. Laban était béni. Laban pe a pambola ma. Ses affaires étaient bénies. Mis loko la zawana. Ce qui nzambe a pamboli e kosuka wana ke kasi yomo o koma di pamboli. Tu deviens une bénédiction. O koma di pamboli. Et là où tu cet homme-là sera béni. Alléluia. Amen. Cet homme-là sera béni. Alléluia. Là-bas prospérait à cause de Jacob. Là-bas, il y a un peu de Jacob. Mais évidemment, lui-même était. Il avait une croissance extraordinaire. Il était béni. Bien-aimé. Nous sommes des héritiers de la bénédiction. Alléluia. Amen. Écoute-moi, enfant de Dieu. Même si dans ta famille, il n'y a aucun nom grand. Mais écoutez, Yoka. Au travers de ta foi, au travers de ta foi, à cause de ta foi, entre dans une lignée. Alléluia. Amen. Ils sont
déjà dans Galates. Galates chapitre. Verset 14. La Bible dit ceci. Galates 3, 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Enfin, pour les païens, la bénédiction d'Abraham se trouve en Jésus-Christ. Et que par la foi, nous recevons la promesse de l'Esprit. Amen. 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 Mes frères, Bandeko, bien-aimés, la Bible dit quoi? La Bible, la parole de Dieu déclare que Christ nous a racheté de la malédiction de la croix. Christ a kangolibiso na kati ya bilakelimabe. La malédiction de la loi plutôt. Bilakelimabe o ya mobeko. Il était devenu lui-même ma malédiction. C'est-à-dire à la croix. Jésus était devenu malédiction. Alléluia. Amen. Il était devenu malédiction. Il était devenu malédiction pour qui? Au moyen de ta foi en Jésus. Juste par ta foi en Jésus. Lorsque tu crois en Jésus. Alléluia. Amen. La Bible déclare automatiquement la bénédiction d'Abraham tombe sur toi. C'est de cette façon-là. Toi, c'est aussi l'héritier de la prière. Comment? C'est au moyen de la foi. Alléluia. Amen. Ceux qui ont foi en Jésus. Ceux qui ont foi en Jésus. Alléluia. Amen. Et tu nais. Péobotami. Sur une famille riche. La famille de Dieu. Lorsque tu crois ce que tu dis, tu nais dans la famille de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez. Yoka. Je suis maudit. Naboli kondima et gai va la tenga mande. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis ceci. Naboli kondima. Si tu veux me faire boire et moi encore, je suis encore sous le. Lo va a comer. Tú me haces a cuatro.
encore la souffrance, je vais te répondre. C'est à cause de ton ignorance. Il y a une histoire qui s'est passée, qui s'était passée en Angleterre. C'est l'histoire du Spurgeon. Un grand homme de Dieu qui vivait au 19e siècle. Il avait une grande église en Angleterre, à Londres. Alors un jour on a appelé cet homme de Dieu pour aller prier pour une femme qui se mourait d'une maladie due à la malnutrition. Babengaki aya kobongela pona mwana mwasi moko akokufa na maladi oyo esisaka nzoto kozanga kolia malamu. Alors il est allé pour prier pour cette femme. Akepo abongela pona mwasi oyo. Il est entré dans l'hôpital, il a trouvé la femme qui était la maigre. Tanga kota ina hôpital akuti mwasi penza kokonda nzoto. Avec une mauvaise santé. Pena nzoto était pena mabe. Et qui était en train de mourir à petit feu. Akokufa malembe malembe. Alors l'homme de Dieu l'a réconforté. Wana moto na nzamba pesi makasi. Et quelques temps après il a prié avec la femme. Abondeli na mwasi yango. Après la prière, na sima babondeli. Il a regardé au mur, s'était accroché un certificat. Pe atali penza na mur bachaki mokanda. Lorsqu'il s'est intéressé pour voir, tanga kompebe mpo atanga. Il a demandé qu'on lui accorde le certificat pour un ou deux jours. Il a amené avec lui le certificat. Après quelques études, qu'est-ce qu'on a découvert? On a découvert que cette femme qui mourait de la malnutrition, elle avait été employée par une grande famille dans l'Angleterre, une grande famille riche de l'Angleterre. Bazwaki na mosala et pas il y a des bottes moko et des gars qui ont été en Angleterre. Et qu'après la mort de son employé, Penasima ya moto tata na ya banai kosunga et si kamana kosala mosala, il lui avait donné toute sa richesse. Même cette entreprise qu'on méritait, elle était une héritière. Mon conjoint a dit qu'elle a quitté Bilo Konyonzo Oyaye, le col Aye, Mosuna Yango. Alléluia. Amen. Tout ce qui appartenait, tout ce qui appartenait à son chef. Onyonzo Yamo Konjinaye. La fortune. Bosui. Les comptes. Mambo na Kataban. Était désormais au nom de cette femme. Et t'as qui pour la moitié wana. En train de chercher pendant plusieurs années cette femme pour ne pas la trouver. Elle était là, elle se mourait de quoi? De la malnutrition. Voilà ce qui se passe avec les chrétiens. C'est ton ignorance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ton ignorance. La Bible dit, mon peuple est détruit. La Bible ne dit pas mon père périt à cause des démons. La Bible dit que les bottes de la mère pour la bonne à cause de Satan, non. Pour que Satan et mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Si les bottes de la mère pour la bonne à cause de la mère. Mais ce soir, c'est la révélation de cette femme. Amen. Tu peux mener une vie. Tu peux entrer dans la vie d'alliance avec Dieu. Alléluia. Amen. Tu peux vivre une vie d'alliance. Alléluia. Amen. Tu peux être béni. Peu importe ce qui se passe autour de toi. Tu peux prospérer. Alléluia. Amen. Tu peux réussir. Amen, amen. Amen. C'est possible. Et dans ces pays, les enfants sont scolarisés dans des grandes, dans des meilleures écoles. Dans ce pays, qu'est-ce qui se passe? Pendant que quelques-uns disent que c'est difficile, les temps sont durs. Mais pendant ce même moment-là, au même moment, il y en a qui voyagent. Il y en a qui construisent. Amen. Il y en a qui achètent.
Non, les temps sont durs. Nous attendons. Tu attendras depuis combien des années? Depuis la deuxième république. Depuis la deuxième république. Non, un jour, le Congo change. Ça va changer. Et après Mouzé est arrivé. Non, non, après Mouzé, ça marchait. Après Mouzé. Aujourd'hui, c'est Joseph. Non, après Joseph, ça y est. Alléluia. Amen. Tu ne dépends pas de ces choses-là. Yo, alléluia. Amen. Tu ne dépends pas de ces choses-là. Tu ne dépends pas de l'économie de cette nation. Yo, mi kate pon ekonomi amboka oyo. Alléluia. Amen. Mais toi, kasi yo, tu dépends de l'alliance des bénédictions. Et ko mi kapo na boloka ni oyo andaka ni kapo. Amen. Amen. Tu dépends de l'alliance des bénédictions. Yo, ko mi kapo na boloka. Alléluia. Amen. Tu dois prospérer. Et c'est que le fouluka. C'est ça l'alliance de bénédiction. On est des beaux canadiens et pamboli. Dites avec moi. Le banangai. J'ai la faveur. J'ai la faveur. Et tiens-toi debout, nous sommes en train de prier. Viens demain de Bobonde là. Dites avec moi, j'ai la faveur. Le banangai n'a pas n'angolou. J'ai la faveur. Répète avec moi, j'ai la faveur. J'ai la faveur. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Je veux prospérer. Je veux prospérer. Mais n'importe ce qui se passe à mon entourage. Peu importe ce qui se passe à mon entourage. Peu importe les conditions du monde. Peu importe les conditions du monde. Peu importe le temps. Peu importe le temps. Je dois prospérer. Je dois prospérer. C'est la saison de la prospérité. C'est la saison de la prospérité. Je dois toucher la richesse. Je suis riche. Je suis riche. Je suis riche. Je suis riche.